à ce que nous faisons. Nous faisons grâce, nous dormir, nous lever. Et c'est grâce à venir, nous exister, nous vivre. Nous ne pouvons pas camper dans le bac, nous ne pouvons pas compter nos tapis. Qui ça nous a fait, qui route nous a pris. Et bien souvent, nous sentons nous désespérés. Des fois, nous avons une tristesse qui envahit. Des fois, nous avons une désolation qui envahit. Des fois, nous avons un souci de la vie, envie de poter. Des fois, nous avons toute bagaille qui doit arriver. Et puis, on dit Seigneur, Seigneur, m'a demandé au vin parler pour moi. Viens dire un mot. Viens visiter, viens parler. Et ça te fait, c'est la prière qui solution tout moment ça. C'est la prière. C'est être en silence, dans le Seigneur. Et puis, les mêmes l'appareil. Donc, quoi, sinon, quand tu comptes sous lui, si nous étions attachés à elle, on est capable de briser, toujours apporter la victoire sous ce genre de moments difficiles. Et lors là-dedans, c'est vous-même seul qui l'attend. Pas grand monde qui caille d'eau, que Jésus-Christ seul. Personne. C'est vous qui l'attend pour compter. C'est même genre le monde grand monde qui mourit. Voisin qui a venu de pleurer. Mais la mort, c'est au gain. Les entrailles coupées, c'est au gain. Je prends l'autre monde. Les gars, nous avons tellement compris la douleur. Ils comprennent la douleur, mais c'est douleur. La douleur n'est pas là. Et par contre, ça va passer. Parce que la mort, il va les perdre. Donc, ça qui fait que. Nous devons toujours, toujours dire bon Dieu merci. À chaque fois que nous trouvons nous, j'en ai un moment comme ça, l'aidez-nous à passer étape ça. Parce qu'il y a quelques étapes où même maintenant, tu vas déjà me traverser. Qu'il t'apprend à la voir. Qu'il y a quelques situations, il y a des fois, demander bon Dieu, comment elle a fini. Parce que tellement, on n'a pas arrêté, on n'a pas attendre encore. Et on m'a dit, Seigneur, est-ce que ça a fini? Est-ce qu'il m'a sorti là? Et on m'a dit, Seigneur, bon, mon petit flash, non, moi, est-ce qu'il m'a sorti là? Comment vie m'a pillé demain matin? Et il a dit, l'apôtre l'a dit, l'épreuve de votre foi produira la patience. Il a dit, épreuve va pouvoir passer à. Hein? C'est lui qui doit être pas patient. Parce que le Seigneur a venu pour nous patients. Et c'est une fruit de l'esprit. C'est une attaque. Nous faisons place avec ce vidéo pour exhorter le Père bon Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis notre Seigneur, grandel, parce qu'il permet que nous là, avec moi, avant l'hiver, pendant toute semaine, que nous battons. Oui, pas de belle semaine. Bon, déjà, ça veut dire semaine qui commence. Pendant cette semaine, hier, mettez-le matin. Moi, j'étais là lundi, après-midi, bon, j'étais moi avec ça, votre acte là, bon, j'ai pas fini. Bon, nous, Seigneur, merci. Qui vous là, qui vous parle, Seigneur, merci. Parce que, mais nous, pas là, c'est pas nous. C'est pas non mauvais impasse la presse. Bien que le dégâtre qui va traverser un moment de deuil. Mais notre Seigneur merci parce qu'il permet de la chanter, la vibrer, la grande Seigneur dans la vie. Bénis notre Seigneur aussi. Et merci pour ça, vous pouvez nous saluer nous. Dans notre Seigneur. À nous qui est là, à nous qui est faire. À nous notre route qui est là. Parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, c'est dans le cafouné.
au carrefour, on est au carrefour Kachi, mais il y en a, je suis là, je ne vais pas au camp de la route. Je vais avoir un petit côté pour faire. Je suis là, je me mets mal, mais c'est ça le Seigneur. Je ne parle pas, c'est chez mes liens. Nous disons merci parce qu'il a lâché dans le monde. Il nous était dans la chanel. Qui c'est l'église. Maman. Seigneur, c'est papa nous et l'église, c'est maman. Parce que l'église, c'est épouse là. Seigneur, c'est époux. Nous-mêmes, nous sommes petits garçons, petites filles d'église. Et nous bénissons Seigneur pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous bénissons. Nous pour les saluer, mon Seigneur Jésus-Christ. Je sais le vrai Dieu qui est dans la note. Moi, quand on a chacun de fois, nous saluons avec mon Christ et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Dieu merci pour la classe, pour nous aider à faire bien vers nous, pour essayer de faire nos classes qui nous ont invité. À chaque fois, nous allons coucher, nous allons prendre, nous allons réveiller. C'est une femme et mon Dieu fait nous. Il y a un peu de monde qui est peut-être dans la cabane. Sous trois jours, par voyous, et après, c'est chercher une chèque pour la déposer. Nous avons dit, ouais, mais nous allons Dieu faire nos grâces. Nous ne pouvons pas plus manquer. C'est une femme et mon Dieu fait nous. Et il faut nous toujours reconnaître que nous parlons devant mon Dieu et pour nous lever de l'autre dans la prière. Et il faut nous pas oublier l'autre frère qui est après nous, qui est en Haïti, qui est de l'autre côté. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu prend compte de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous comptons tout le monde. Et nous saluons le Seigneur pour. Bien fait lui parce que permettre que nous là, nous avons lutté. Nous avons demandé grâce pour capable de lutter plus chaque jour. Content nous toutes nettes, nous toutes nettes. Et c'est toujours même peuple là. C'est toujours même salut. Avant que vous commenciez, je vais partager un moment où tu allais avec nous. Et moi. C'est là qu'elle a et puis on met les mots. Il dit, passez pour moi, nous avons tel monde qui a un problème, apparemment un conflit. Et ils sont mon moi, très proche moi. Et lui, moi, allez, il dit, bien aimé, ma bénie, je vais aller, je vais aller là, je. Et lui, m'a allé. Et puis il est arrivé, il a expliqué moi, qu'est-ce qui s'est passé. Avec la psyché. Mais le conflit, c'est on a dit, entre trois voisins, tout, trois potes, un, deux, trois. Donc ça veut dire, il m'a mis la mi-temps. C'est comme des cas dit ça. Il y a deux là-dedans, lui-même avec un autre, c'est mon église protestante. Après ça, l'autre là, moi, c'est catholique. Mais, c'est ça qui est bon, le chrétien. Ou bien toujours, comme la Bible a dit, pas jamais monter sur bagaille monde n'importe comment. Même laisser ta famille. Il y a mon ici qui fait ça déjà. Et qui cause des bagailles qui passent si mal. Et quand dit, parole a dit, toute bagaille vient à clé, il me suit reconnaître que c'est. Il te fait gousser. Ouais. Parce que l'on pas qu'on nous bagaye, avant pour te bourrer, cherche qu'on est. Il dit, Proverbe 17, je crois 18, on m'a tout qu'un béli, on m'a regardé pour moi, pour ne pas tromper de ce que m'a dit. Hein. Proverbe 17, 18, si c'est ça exactement. Proverbe 17, 18. Proverbe 17, 18, 17, 18, 17, 18. Alors, Proverbe 18, 17 plutôt, c'était le contraire. Proverbe 18, 17, il dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on examine. On l'examine. C'est-à-dire, premier monde qui parle bon là, ou après il y a raison. Si c'est femme ou même, on dit, écoutez-le, écoutez-le là, écoutez-le, Mathieu, écoutez-le. Ou pour mettre dans la colette.
attention. Vin tandil. Et ça cache c'est seul grand monde qui a même ça avec qui me gagne ici. Seulement lui-même. Et puis, la ville d'Adé, après ça, il y a eu tout week-end, l'autre monde qui a conflit. Et puis, moi, une sortie, moi, il puis mal parlé. Il vient parler de tête, et il me dit, comment il a, et puis mal parlé. Là, il commence à parler, moi, il commence à ouvrir, puis je commence à parler, je commence à comprendre. Et il m'a mis une version tout à fait différente. Moi, tout d'un jeune, l'autre. Là qui l'autre côté c'est lui-même au milieu. C'est deux mon qui étaient bien comme ça. L'autre ça qui à côté c'était comme ma petite. Parce qu'il capte que petite moi qui fait c'est lui qui comme maman il y. Mais on bagaille venir vivre voilà et puis maintenant comment ça il me dit bonjour va répondre tout et tout. Oh on à l'église. Il y a du bonjour va répondre. Et il voit dit mon des problèmes. On le dit sur mon va répondre. Lui, m'entendez, je me dis, ah, ok, je comprends. Moi, souvent, les gens qui sont dans l'âge, tout, ça connaît que mon nom est payé. Est-ce que c'est perdu la raison, ben, quand même, dit-il. Commencez par avoir les choses claires. Mais, il y a l'autre bagaille, il y a un dossier toujours. Même dit, je me dis, ouais, parce que les gens qui sont capables de quitter. Qui nous t'a ensemble. Il va y avoir un vague, ah, c'est l'autre bord. Moi, je suis là-bas, je ne vais pas dire ni vous, ils attendent de moi, de tranquille, tranquille. Là, je vais prier, vous répondez, ma gueule, je suis là, ma gueule. Après ça, je vais me dire, il doit être ici. Mon dit, écoutez, mon dossier, mon ne sais pas qu'on a fait, mon dossier. Et là, lui-même, on commence à me dire, ah, tel là, il me dit, ah bon, il dit, pourquoi ça, il dit, oui. Et il sentit mon appel. Donc, bien aimé, comme vous me dites, baba, te bite, clé. Nous avons compris ça. Mais que des bagages, mes amis, dis-nous, on peut dire ça. Depuis son bagage, on ne peut pas courir là-dedans comme ça. Prudent. Parce que comme si vous pouvez mettre tête tout dans le conflit, oui, vous allez là, après, pour que vous allez là, vous avez une raison là, parce que vous pouvez vous mal. Vous pouvez vous chercher au monde, quand vous cherchez nous, vous allez mettre tout. Dans l'évangile, pas de ça. Quand il s'agit de justice, c'est justice. Qu'il était maman, il était papa, il était frère, il était petit tout, côté, pas de droit de corriger. C'est-à-dire qu'on parle qui peut corriger petit lit, et bien il peut le crier. Il a trop tard. Il a crié à quelqu'un qui a pris le dos. Parce qu'il a dit toi, les condits, quand on dit les condits, c'est tiré. Non. On a deux bagailles, on analyse. Parce que quand on dit là-bas, on dit qu'on connaît là-bas. On a senti, et au fond de lui, il passe là. Il n'est pas direct dans la vie. Et tout ce que je viens de comprendre les choses, bon, comment je vais gérer ça, je vais parler à deux autres personnes. Je me dis, bon, je vais aller dans la discussion encore. Il dit, même pas qu'à l'ouel, des fois, je vais aller dans la passe. Je me dis, on met fel. Oui, je me dis, bonjour. Et rappelez-le que c'est membre de l'église, et on dit bonjour, va répondre. Et on met fel. Je dis, ah, puis moi, je me dis, c'est le gars, tout est le gars. Je me dis, pas, je ne parle pas, s'il te plaît. Mes amis, en voici la Kébé puis Jésus fort. En voici la vie pour les gens qui demandent. En voici ça. Pas tout le monde qui a la Bible, qui l'église. Et ça qui est même là, où est-ce comme ça? Il n'y a pas de problème avec ça. Maronne, comme Babon dit, il y a un côté de Baron qui est arrivé. Maronne.
Mais malheur à nous. Malheur à nous. Et j'ai bon diable gardé. Et où est nous? Et où est nous? Donc, pas oublier les sommets là. Même les mouns en famille, les non-conflits, que ce soit salé, pas courir mouté blou-blou. Non. Pas courir condamner personne. Essayer de comprendre la situation et voir qui sort capoter comme solution. Pas jamais oublier ça. Pas oublier ça. Moi, je me dis bon Dieu merci parce que si je découvre comme moi, je ne pense pas à tout. On a le goût, il y a des émotions, il y a parlé en pile, l'autre là, il parle en pile, il parle bien fort, ou oui, il parle en gendarme, ou oui, il ceci, il cela, bon, m'a occupé lui-même. Oh, avant de déplacer, on va prier. Par contre, dis comme ça, mais moi-même, avec mon grand prier, avec mon monde, je n'ai pas même converti, même baptisé, je n'ai pas voir, je n'ai pas même foi, je n'ai pas même croyance, je n'ai pas même prier avant, prier dans qui ça? Ou pas même quoi dans l'évangile, je n'ai pas même prier avant, prier pour me dire qui ça? Sous quoi je prier pour vous? Mais sous pas quoi pour vous prier pour vous? Avant, je vais vous prier. Quand il a dit, oh, ou bien bon l'évangile comme ça, mes parents m'ont handicapé, ou pour pas prier pour lui. Il dit, je ne vais pas chanter de miracle, ni pas bon miracle. Il dit, peut-être que je suis fidèle. Quand il dit, comme dit, dans la gage, ou bien prier pour moi pour faire fidèle, ou bien faire miracle pour fidèle qui a venu. Ah ben Jésus qui a fait, mais Jésus qui a fait miracle. Même ma pote, elle a fait miracle, elle a fait miracle, elle a fait miracle, elle a fait miracle. Et ça, elle a fait questionner, elle a dit, et bien nous qui faisons, c'est Jésus-Christ. Asi yo ta fè li la blanche li a pou fè moun noy. Wè ou nan li vin nan fonti nan li yon moment la di bon, c'est moment de livre c'est puis il branche toute caméra sur lui. Et puis il commence à vider moun tête. Pile pa makon pa paquet. Moun commence à pou li deux fois moun n'a pas jambe que bagaille dans c'est dans tête li. Les gars li touche li baka commence à dans c'est dans tête. Et ils attendent lui ils ont fait délivrance. Pour conseiller des moun qui remet délivrance yo vin des délivrance. Des fois gagne yon savant né yo quel bi branche yo redi yo. Traîne yo al vider l'autre bon. Ouais, tellement qu'on s'est fait un match à drap pour flopper mon yo. Parce qu'on est tout que radio, parce que c'est dans la tête, yo, qui l'a dé, yo, puis en l'air. Ah, t'as changé, c'est tout l'exemple, tout profite, gagne. Parce que j'ai dit, bah, j'ai pour faire, pour que, bon, imagine, nous, on a dit, c'est pour que pas avec tel bagage, mon cher, nous, pas carré, là. Mon cher, on va tout la carré. On va tout la carré. Parce que les bougies, ils touchent au monde là, et ils ont décidé, les bougies, ils ont décidé. Il n'y a personne qui ne peut décider bon, elle arrive là, nous ne pouvons pas guérir, tel là, tel malade, nous ne pouvons pas guérir. Côté caméra, bougez-vous. Non. On a fini, la service a fini là. Tout le monde est sorti, c'est Dieu à Jésus qui décide de toucher au monde. Il a décidé de toucher la caillou. Il a décidé de prendre une adoration, prendre un message. Il a décidé de toucher tout le monde sur genou la caillou. Lui décide, et pas mon désir. Il va s'enlever. Tout simplement. Ok, on a pu retourner. J'ai une théorie dernièrement. Alors, papy, c'est vite à. Vous avez commencé, c'est vite à me laisser un gros espace. C'est vite à. Parce que. Nous avons dit, il a même presque fini le sujet avant moi. Et on a dit qu'il était commencé à nous d'après le faire, et attention d'après le faire. Donc, nous te dit bon Dieu merci en pile, nous sommes fiers et très contents de ça. Pour nous avoir un travail qui fait, avec, comme tu as dit, assurance, nous sommes capables de vivre, font vivre ce qu'elle ne nous pas cassé, parce que nous sommes peuple à nous, dans nos Jésus-Christ. Donc, comme nous sommes avant mon temps, nous pas contourner sur lui, et nous puissions passer le temps en prière et puis passer le temps. Donc, j'en ai dit, là, pour te résumer, c'est que l'enseignement est participatif, c'est bon parce que ça permet que et tout le monde est capable de joindre quelque chose et comprendre. Et il y a des questions qu'il doit poser, et puis même les gens qui ont une réponse, ils posent. Et puis, pour permettre que les bien-aimés soient, qui ne peuvent pas poser des questions, comprendre automatiquement, et ça qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors, pas oublier qui ça nous te dit, là, nous te sorti dans l'étude nous te fait.
à partir de Genèse 2. Et ça lui a été fait retourner en arrière dans Genèse chapitre 1er, 26-27, pour te ouvrir une introduction avec Moussa, création spirituelle de l'esprit de l'homme. Et noter, pendant qu'elle te dit ça, même côté A, texte à te monter, même côté A, pour être capable d'élargir et faire nous comprendre plus bien. Parce que, pas gagné qui t'a écrit dans la Bible, pour Dieu, pas ta baille explication bibliquement. Parce que tout ça qui est écrit dans la Bible, qui t'apparaît incompréhensible pour nous, la Bible encore expliqué. La Bible encore détaillée. Lorsque nous t'avons discuté, on te dit, l'homme créé d'abord spirituellement. Oui, parce qu'Éphésiens 4 l'a dit, en lui nous avons été élus avant la fondation du monde. En la chair? Non. En esprit? Parce que si nous existons dans l'éternité, ce n'est pas selon la chair, c'est selon l'esprit. Dans la pensée de Dieu, dans les profondeurs de Dieu. Et Dieu t'a créé nous dans l'éternité. Maintenant, lorsque le Père placer l'homme dans le jardin d'Éden, ce n'est pas quand il formait l'homme, non, que l'homme créé. L'homme t'est déjà créé parce que texte est clair. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Qui ça nous te dit? Nous te dit qui est-ce qui compte image bon Dieu? À qui ça bon Dieu semble? Physiquement, nous pas qu'à connaître à qui ça bon Dieu semble. Déjà physiquement, nous pas qu'à même ouais bon Dieu. Donc nous ne pouvons pas comprendre à qui ça ressemble physiquement. C'est-à-dire là, nous sommes en train de parler de la création spirituelle de l'homme. Lorsque Dieu crée l'homme en esprit, l'homme pourquoi vient dans le jardin pour venir exercer, parce que physiquement, quand on disait le diable de Dieu, il n'y a pas qu'à cultiver le jardin d'Éden là, parce qu'ils sont esprits. Comment quand ton esprit dit, on a dit cultiver un bagage qui physique. Ça pas fait. Donc, là nous te dit comme ça que Dieu formait enveloppe là avec terre qui c'est l'homme. Après, il mettait l'esprit, il soufflait l'esprit de l'homme à travers l'enveloppe là. L'homme vient être. Là il y a monde qui pas comprendre ni comme ça. Et qui dit, mais comment? Même pas comprendre. Et ça, quand tu prends Romains 8 là. Et Romains 8 là, son bel chapitre qui est lié par rapport au sujet ça. Un très bel chapitre. Nous disons Romains 8 là. Verset 2 là. Ou après, verset 2 là, c'est tellement clair. Pas de gagne petit cas clair qui va se dire. Et le texte a monté, il me dit, waouh. Des fois, par contre, si peut-être qu'on n'a pas fait ça, c'est un peu. Des fois, on a enseigné, et puis Dieu ouvrit un flash pendant l'enseignement, mais à l'instant, parce que pendant au cours de l'émission, ça qu'on a vu, à l'instant, il pose une question sur un bagaille. On parle pour réponse, on a dit peut-être. 3 secondes avant question. Parce qu'on ne va pas t'attendre avant. Et 2 secondes après question, texte a monté. Fao. Et Léo a regardé texte, on ne peut jamais connaître texte comme ça avant. Parce que provision, tu es contre Dieu là-dedans, ce n'est pas ça qu'il dit. Le texte a monté.
nous toujours appelons l'île. Mais nous ne pas jamais l'île dans ce sens. Là, ils ont invité à une phrase ou un slogan. Ils ont invité à la guerre qui est belle. Il faut que nous lisons la Bible en grand monde. Allez, nous lisons la Bible en grand monde. Allez, nous comprenons. Ça clie. C'est là que nous avons Romains 8 là. Pour nous comprendre la création de l'homme spirituel et physique. Et, comme tu as dit, fusion homme spirituel avec physique là. Pour être capable de vivre sur terre. C'est Romains 8 là qui va l'étudier nous. Félix va expliquer nous très bien. Et c'est là que nous allons comprendre comment Dieu fait bon Dieu. Et ça nous dit, au profondeur de la richesse et de la sagesse de Dieu. Et ces pensées sont profondes et insondables. Elles sont gros dans ton bon Dieu. Alors, dans Romains 8 là, le verset 1er dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Déclare, il dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas oublier être en Jésus-Christ, ça veut dire c'est vivre par l'Esprit. Il dit marcher selon l'Esprit, pas de condamnation pour vous. Il dit en effet, la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Deux premiers versets, j'ai l'abdomen sur après, oui. Le verset 2 qui concerne ça, nous dit. Il dit, car, nous arrivons sur le verset 3, c'est le verset 3, nous dit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment? Regardez le texte là pour vous. Comment? Il dit, en envoyant à cause du péché son propre fils. Qui va l'envoyer dans l'avion, dans la maison? Quand il voit, il voit la vie d'en bas. Comment il voit? Il dit, en envoyant son propre fils, où? Dans une chair. Papi, il dit, Adam, Papi, il parlait de premier Adam et deuxième Adam. Premier Adam, c'est terrestre. Et deuxième, non, l'esprit spirituel. C'est pas ça. C'est pas dit sans raison que ouais, Paul vient avec question première de deuxième Adam. Attendez bien. L'hétéro est premier Adam déjà, non, cher. Oui. Et c'est deuxième Adam pour aider nous comprendre comment premier Adam est venu. Parce que si nous pas de deuxième Adam, nous ne sommes pas capables de comprendre le premier Adam. Par contre, si nous comprenons, ça me dit. Parce que le premier Adam, il me comprendre comment. En deuxième Adam, il me comprendre comment le premier Adam est venu. Parce que c'est vite à dire le premier, deuxième Adam vini. Non, ils ont cher. Mais il dit dans 1 Corinthiens 3, 17, il dit. Car le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ça veut dire qu'il y a franchi par la loi de l'Esprit de vie. La loi de l'Esprit de vie, ça veut dire la loi de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, deuxième Adam qui est Esprit, qui est Jésus-Christ, Dieu voyait l'un chair. Mais chez sa loyer là, Dieu dit, texte a dit, chez sa assemblée, avec chair péché, avec enveloppe. Premier Adam. Là, il semble avec une chair semblable à celle du péché, ça veut dire une chair semblable à la chair d'Adam.
Parce que corps, c'est le péché. Parce que corps produit toute qualité fouille. L'aile pas sous contrôle l'esprit. Donc, l'aime vient comprendre comment deuxième Adam vini, automatiquement vient comprendre. Dit, ah, l'aide Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et puis, tu as dit, Dieu créa l'homme à son image. Alors, l'aime vient comprendre que Dieu créé l'homme selon l'esprit. D'abord. Spirituellement, l'homme semble à Dieu. Mais pour le prendre l'esprit, ça, pour le mettre dans le jardin d'Eden, pour le gérer le jardin d'Eden, il formait un corps, le corps du péché. Corps qui a toute exigence. Mais son corps, depuis la contrôler le corps, ça, il est capable d'accomplir volonté, mon Dieu. Jusqu'à ce que le corps va arriver dans un moment pour le corrompre. Mais, il y a une différence entre le corps premier Adam et le corps deuxième Adam. C'est que le corps premier Adam, c'était le corps du péché même, qui portait péché. Mais pourtant, le corps deuxième Adam, il dit qu'il semblait. Ce n'est pas ça, mais il semblait. Et là, il ne comprend pas. Il prend un piège là. Il y a quel poté pour Jésus-Christ. Après, j'ai dit pour la vie pas en pile. Vous l'avez dit, si vous êtes petit, bon Dieu, fais-y, fais ça. C'est le vrai corps. Il pensait que ça, c'est le même corps dans tes guerres. Pourtant, ce n'est pas le même corps. Il semble avec, mais ce n'est pas lui. Parce que c'est grand monde dans ça. C'est Jésus qui grand monde. Mes amis. Bon, quelqu'un qui te pleure devant de nos yeux. Depuis le corps, elle existait, tu as dit que toi, Dieu. Dieu, le Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Elle a prié, j'ai un gourmet. Pour le connaître qui est-ce qu'il prie. C'est un gourmet. Et imaginons. Donc, nous comprenons, Patissa, comment premier Adam est venu. Allez, Romains 8, 2. Hein? Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair. Où est chair deuxième Adam, il n'est pas fait même genre. Parce que chez deuxième Adam, c'est à partir du même élément, chez deuxième Adam fait dans le même mouvement que femme dans te fait là. Parce qu'il fait à partir d'un élément qui a déjà existé. Parce qu'il fait à partir des maris. C'est ça divin. Tout le monde compte, tout le monde fait. Il y a quel pagain ADN mari là-dedans. Il va garder un mari, il va garder sans mari, il va garder des maris. Ça va faire. Même l'autre attend, on nous dit que Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% qui ça, ou même dit que ce n'est pas vrai. Jésus-Christ n'est pas 100% homme. Non, ça va faire. Jésus-Christ n'est pas 100% homme. Jésus-Christ, on n'est pas 100% Dieu, ou 100% homme encore. Allez, sous 100% Dieu, Jésus-Christ égal à homme. Qui goûte moi pour cette table? Il a dit Jésus-Christ n'a pas eu de péché. Oui, Jésus-Christ n'a pas eu de péché. Parce que s'il est 100% Dieu, il est 100% homme, il faut qu'il arrive de péché. Il est en sanctifié, son gloire. En bas, il nous donne le contre tout. Ouais, Seigneur, il passe 33 dans la vie. Là, vous jouez sanctifié. Et là, mon cher, vous m'avez dit. Quand on frappe, quand on me pose, vous êtes à trembler. Ah, vous êtes au goneg. Au goneg. Regardez, on dorme, ma spine, et vagabond, on dorme. Vie esprit. Leur pente. On va répondre pour votre corps, non? Hein? C'est ça. Quand on passe, on se doit craser au milieu. Parce que spirituel.
Mais pourquoi j'ai mis un peu de cadeaux là? Il n'y a pas de cadeaux, oui, spirituel, un pompe, un bague, un pan, un pile. Pourquoi pas de moi? Il y a un cadeau? Pas du tout. Il y a quelques problèmes là, spirituel. Il y a fort, 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 mal. Oui. La voyons nous du bio, la voyons bagaille, la voyons vieille rencontre, on vieille bagaille, on vieille discussion, et l'autre là, on pas même un croc. Juste pour, quand on dit en anglais, juste pour get you down. Just to get you down. I will make the water, la boire, elle veut tout vous traîner. Pas d'amour, mon Dieu. C'est juste que mon Dieu fait comme ça pour l'homme. Parce que si l'homme pas tombé à chaque instant, il va mourir. Mais au fond, on va bien tout. Attends, l'homme doit besoin de Dieu à chaque seconde. Voilà. Et ça, peut-être, a dit prier sans cesse. Mais c'est vraiment des faiblesses des prières qui sont arrivées. Ou pas qu'à mon prier. Chaque fois que je vous donne mon prière, on s'entend dans l'église. Mon prière, j'en ai prié pour d'autres. Pour pas vous étudier, et vous d'autres, on parle comme ça. Regardez, oubliez, regardez. On va briter tout dans la prière. Si ça arrive, on met tout comme prière. Tout comme prière, on va vous prier. Allez, lâchez sur ton nez. Ah oui, lâchez ton nez. Et lâchez ta parole, c'est. Qu'on a là, on va prier, on va jouer, il va mourir là, il va dominer. On a des fous de la chair pour adapter. On va le prier, on va le faire la chair de nourriture. Donc, les Dieu finit que l'homme, lui transmet une enveloppe qu'il fait, lui souffle la donne, comme il dit dans le chapitre 2 de Genèse. Et ça dit, l'Éternel Dieu forma l'homme, le verset 7, chapitre 2. De la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devait un être vivant. Là, dire un être vivant, c'est pas que l'homme était mort déjà, non. Non, physiquement vivant. C'est-à-dire, enveloppe physique là, d'une vivant. Par exemple, il y a des esprits à part en enveloppe là, ou mort. Par exemple, là, on peut aller à l'hôpital, ou dire que quelqu'un soit doux, là, il y a vide ou mort finalement, d'accord. On va sentir d'accord. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Où est l'être, j'avais l'esprit à l'enveloppe là, comment il fait? Souffle. Souffle. Mais c'est l'esprit là, c'est souffle mon Dieu. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. Qui donne l'intelligence. Il va... On entend dire à tout les yeux. À quelle porte nous sommes contre le passé, toutes les montagnes, les yeux, j'ai demandé la loi. Oui, il faut. Et là, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de personne. Il y a un cas. Je ne pas si vous avez l'esprit de Dieu. Parce qu'il souffre à l'esprit. Oui. Moi, je t'ai dit. Deux mondes, je fais quand même. On ne parle pas de problème. Pour que vous soyez bon Dieu, nous finissons. Vous savez, vous n'avez pas de problème. Vous savez, si vous avez un bon Dieu, mais c'est. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Adam. Monsieur Adam. Et Monsieur Adam, là, vous dit, il y a des ans. Ok? Dans le jardin, ça, il décrit, il y a deux âmes dans le jardin. Et là, il y a noté, il y a Ézéchiel 28 et 31, qui te montre une description qui est beau à ça. Et moi, mais 31, Ézéchiel 31, parce que dans Ézéchiel 31, il explique combien sont âmes. Clair que c'était ça. Ézéchiel 31. Pour montrer que arbre de la connaissance du bien et du mal là, qui est-ce qu'elle était?
Mwen kwa jare nan tet nou de yaman evèk gwo kou li sou li. E... Korrektèman, men kebe ou fò. Kebe ou fò. Kebe ou fò. E nou te wè osi ke Diyo te ba yo te defan yo nan vese 16 an. Li ba yo an lòd. E se te premye lòd lòm de resevan. Premye lòd la, sa kel te di, tu ne manjera. Alors, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et, l'homme a commencé à dire, l'homme mange fruit, l'homme toujours vivant. Qui j'en ai mouru, comment nous comprenons ça? Qui mangeait de manger là? Comment manger? Parce que l'homme pas mouru. Parce que tout en attendant que l'homme t'est mouru et tout et tout et tout. Oui, l'homme mouru. Oui, l'homme mouru. Il a oublié. Les notes continuent de descendre dans chapitre 3. Nous passons à résumer. Il a parlé nous d'instruments ruseux que l'ennemi a été utilisé. Et ça, quand Jésus qui prend le bout du phare dans l'eau, il prend même symbole là, le serpent des reins. Il pour montrer qu'il va jeter les mains du champ pour nous. Ouais, le serpent des reins que Moïse était dressé à, c'était un type spirituel de Jésus-Christ qui s'est fait malichon pour nous, Galates 3:13. Alors, il présentait dans le jardin, comme c'est dans le jardin, c'est toi, où il y a pied bois, et puis le branché, il est tombé dans le jardin. Parce que j'en ai tombé, on ne voit pas où il est. Pied bois belle, branché est belle, fait est belle, et il y a toute qualité fouille là-dedans. Et agréable à la vue, bon! Ouvre connaissance. Et ça va être connaissance. Ça va être connaissance. Quoi? Quoi? Verset du cœur. Même ou même pas de passer bon là, il y a là, on peut voir, on peut finir, on peut en là. Ou est-ce qu'il y a belle? Ou est-ce qu'il y a une grenade, au sol, il y a des ça, il y a, on peut en on peut manger. Vous savez, vous savez, bon, mieux ça, créer un verset pour le bar. Parce que même bien là, si on n'a pas parce que même bien, si on n'a pas rival, parce que on est sûr. Alors pas jamais. Lorsque nous prenons arriver pour nous violer la loi de Dieu, toujours qu'on regarde qui commence et qui comprend de départ. Il vous a dit de rien. Déjà dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis j'attendais à tout, ouvrez tout nos têtes souquées. Ouvrez tout nos lames, l'en main. Hein? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ah oui, on a déjà proposé que le bigon est. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand t'as. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Touchez. Pourquoi on ne va pas toucher ma raison pas qu'on voit qu'elle avant? Regardez là. Toucher, dit convoiter, pas désirer, pas garder, pas toucher. Parce que les deux mots toucher, convoiter. C'est convoiter ça. Et pas manger. Puis quand on a envie de goûter,
Puis quand vous avez envie de passer par côté, lever ta laine, prendre ta laine. Et malheureusement, comme Paul le dit, c'est la femme qui séduit. Il séduit femme. Femme, regardez, elle est belle, fouille. Elle est belle, parole. Si toi, nous disons chabel, et tout. Ah, ce sont les gens professionnels. Pour le chabel. Oui, la personne. Il prend tête, il fait, il tend. Il rivait fait. Elle tendait. Parce que pour séduire, il faut le garder. Il lui fait entendre. Et, non seulement il lui fait mettre doute, c'est le premier amenant, c'est doute la partie en premier, parce qu'il couvre le porte à premier fruit qui doit lancer. Allez, au moins, il faut que vous ne vous fassiez pas. Et au moment même, il dit, fruit après la partie, le verset. À partir du verset 4, il dit, alors le serpent dit à ma femme, vous ne mourrez pas. Mais vous m'avez fouillé. Est-ce que là, vous n'y toucherez point. C'est-à-dire pas convoité, pas coûté, pas envie. La vie de Hugh, autant d'elle. Mais ça quand même, parce que on est de vous convaincre automatiquement, tout soit convaincu. À passer, en allant, tout ce qui est là, en allant, tout ça. Jacques, chapitre 3, nous allons comprendre, toucher, convoiter. Il y a le même sens spirituellement. Le chapitre 1er, à partir du verset 13, il a lui dit, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Voilà, c'est ça? Oui. Ah, ok. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire, l'y tenté, l'y attiré. Parce qu'elle convoitait. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, il s'est produit. Là? La mort. Donc, automatiquement, il dit, vous ne mourrez point. Ah, c'est menti. Ou pas mourir. Premier fruit, bon. Mensonge. Et pas oublier, le texte a dit, puis bois rempli avec fouille. Branche-lui tant. Ouais, les bains, on utilise, il dit, tout neuf. Vous comprenez? Allez, vous pouvez faire un mensonge là, vous êtes derrière. Elle va t'exister. Vous allez sortir de la première fois des Isabelle, vous allez faire mon bail. Hein? Vous êtes là? Hein? Il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Comme des opposants, comme des adversaires. Alors, regardez-lui. La femme vit que l'âme était bon à manger et agréable à la vue. Elle dit, côté le dit, il mentit à l'écouer.
écouter le Coréa, il vient dire, oh, mais c'est vrai ça, dit-il. Qui s'est passé là? Qui nous montre? Ça a passé l'esprit. L'esprit a tombé. L'esprit a tombé. La chair, oui, les yeux, oui. Les yeux, la chair, oui. Oui, non, oui. Et Et puis l'esprit finit. Et c'est à partir de là, l'homme, puisque l'esprit, c'est fini pour l'esprit, relation coupée autour de nous. Appuyez que Dieu, pour communiquer avec nous, c'est par l'esprit qu'il est maintenant nous, moi, le passé. C'est par là. Et c'est par l'esprit, ça aussi, qu'il contrôle les chaînes. Elle dit, pour l'arriver contre les chairs là, il faut que quelqu'un contrôle l'esprit nous. De même tout, pour ennemi arriver gérer chez nous, c'est l'esprit nous pour le gérer. Parce que quel par l'esprit nous est capable de mener nous. Donc depuis qu'on contrôle l'esprit de l'homme, chez l'homme automatiquement va réaliser l'handicap. Maintenant, automatiquement, chez l'homme, vient soumettre maintenant, bon, vous êtes très clair. L'homme ne possède pas un mauvais esprit. Qui ça fait? Ça, un mauvais esprit, elle dit là. Si un mauvais esprit, elle dit, marchez maintenant, d'accord. On va pas trouver longtemps. Mon achat là, on l'a mangé, j'ai travaillé tout. Et vient esprit, là, oui. Vient esprit, là. On a bien esprit, ça amène elle, lui domine elle, lui fait la salle, il y a une guerre contre elle dans du fait, dans la boue, dans ce qui devrait. Et l'esprit, oui. Je ne sais pas, bien, ça arrive, je ne sais pas tellement longtemps, ça arrive à Kiana. On tient un petit bout de connaître, qui est dans la main. Dans l'écriture, c'est le bas à poil, il est monté sur la tête, on va être très haut.